C'était une catastrophe. Je te le fais pas dire. T'as pas vu la soirée de Kevin? Si. Les déguisements? T'as pas vu Nathan? Non. Il avait une robe de mariée. Ah. Alors t'as pas vu Jessica et Julien? Ah bon? Jessica, elle avait les cheveux courts avec un dégradé, elle laisse tomber. Je sais pas d'où elle sort cette coupe, mais franchement n'importe quoi. Elle était habillée en costard cravate. Julie, elle était avec un nœud papillon. Non mais ah n'importe quoi. Ah, tant mieux que j'ai pas vu ça. Ouais, ouais, heureusement, parce que je pense que tu seras allé aux toilettes. Ça va. Il est lent ce serveur. Hein. Wow. Bonjour, que puis-je vous servir? Bonjour, tu veux quoi? Un chocolat chaud. On va prendre deux chocolats chauds, s'il te plaît. D'accord, très bien. Regarde la vidéo sur laquelle je suis tombée hier. Une fille qui sort d'un placard. Et voilà. Merci. Ah, t'as vu comment il est mignon ce serveur? Cette poubelle. Ah, oh, comment tu parles? Cette mocheté là. Il est pas moche? T'as vraiment des goûts nuls, hein. Et en plus, j'ai vu, il aime que les garçons. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, la dernière fois, je l'ai vu tenir la main d'un garçon. Ouah, ça y est, c'est pas parce que quelqu'un tient la main d'un gars ou d'une meuf qu'ils sont forcément ensemble. C'est vrai, t'as pas tort. D'ailleurs, t'as pas vu les nouvelles ce week-end? Non, Coco, qu'est-ce qu'il y a eu? La semaine dernière, un enfant de 13 ans, Lucas, s'est suicidé. Il se faisait harceler par des collégiens pour son homosexualité. Eh ben, c'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer les gens. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de tout dire. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Non, pas ça. Ah, ça, enfin. J'ai lu un magnifique livre qui s'appelle Sortir du placard de Rachel Corumblitz aux éditions Nathan. C'est l'histoire de Rita, 17 ans, qui découvre qu'elle est homosexuelle. Elle annonce la nouvelle à son meilleur ami Jimmy et à ses parents. Quelques temps après cette nouvelle est dite lors d'un repas de famille, les réactions sont divergentes. Au niveau de ses amis du lycée, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont l'aider à cheminer son orientation sexuelle. Eh ben, il a l'air intéressant, tu me le prêtes? Mais bien sûr. Ah merci, je le lirai ce soir quand je rentre. Il est froid maintenant. Ah, ah bah écoute, sois allé boire avant. Hein. Pff, trop nul. L'homosexualité n'est pas un crime, mais l'accepter c'est donner l'estime pour ne pas être une victime. Un combat pour la tolérance ultime.